Futsal Zone. C'est parti donc pour cette rencontre, la première de cette 17e journée. Hérouville en blanc qui donc joue face au Kaby. Attention quand même, Hérouville qui est l'une des pires défenses du championnat. Seul, eh bien voilà, je vous parlais des buts encaissés. Eh bien le premier, il est l'œuvre du KB et du capitaine Boulaïba. Regardez ce qui s'est passé, ce corner joué rapidement et c'est même un but contre son camp. L'un des internationaux français de cette équipe et l'égalisation. Oh, on s'y attendait pas, quelle égalisation d'Hérouville. Je vous parlais de cette force de caractère de cette équipe. C'est peut-être la meilleure équipe sur ce fait de match et de jeu. Regardez cette frappe soudaine qui a trompé tout le monde. Le KB s'était imposé un but à zéro. Attention, la première occasion pour Hérouville avec la frappe. Oh, la lucarne, la barre à 30. Quel énorme but de la part de Samir Allah. Exceptionnel but. Oh, quelle frappe. Quelle frappe extraordinaire. Oh, la barre. Barre entrante, ça fait lucarne, c'est comme vous voulez. Et on va repartir pour le KB. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Hein. Ça peut être très, très dangereux pour les joueurs connais. La frappe et l'égalisation. Oh, quel but. Quel enchaînement de la part d'Inza Kone qui est arrivé et frappe en force, pied gauche. Quatrième but de la saison pour Inza Kone qui va célébrer son but. Il a marqué tout seul. Hein. Oh, il a éliminé Esperandio et derrière, il enchaîne. Et de nouveau le ballon pour le KB. On connaît. Et le troisième but. Le troisième but, peut-être le dernier de la rencontre. Il s'est fait un petit peu mal là. Kone, mais si le KB l'emporte, ce qui pour l'instant est le cas, non, c'est Zakei. C'est Zakei qui se retourne. Qui se retourne. KB, la déviation avec Zakei. Ça s'est bien joué, la parade de Ricky, c'est pas terminé. 5 secondes, la faute, l'arbitre qui laisse l'avantage. Et Boulaïba, c'est terminé. C'est terminé. Le KB qui l'emporte. 3-2. Énorme match.